Salut à tous, c'est Waniji, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes, pardon. Alors, regardez ce que je vous ai trouvé. On a... Attendez, faut que je les compte. Je les ai pas comptés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 magazines. Donc 8 magazines Pokémon. Et dedans, donc, on a ici deux échantillons Impulsion Turbo. Ici deux échantillons rupture turbo, ici aussi, donc ça nous en fera 6. Ici un booster rupture turbo en français, deux échantillons origine antique, et pour cela 4 boosters noir et blanc, mais c'est des boosters espagnols. Nuri a pas fait attention, c'est pas grave, hein. On les ouvrira quand même, c'est même elle qui les ouvrira, voilà. Donc c'est parti, on va commencer. Donc il faut savoir que cette vidéo je la tourne, donc on est le... Attendez, parce que le 19 ouais. Donc on est le 19 avril 2016, ça fait presque 6 mois que j'ai pas tourné. Parce que en fait j'avais pas mal de vidéos d'avance, de cartes. Donc je me suis dit, j'ai pas trop envie de prendre de l'avance sur mes vidéos. J'ai envie de les faire un peu en temps réel au moment où je les poste. Donc celle-là, vous l'aurez dans une quinzaine de jours je pense. Donc voilà, et ne vous inquiétez pas, je continue de chasser, hein, mais c'est juste que je trouve pas. J'ai ralenti quand même mon rythme de chasse avec mes études, et puis je profite un peu en faisant des nuzlocks, mais je trouve pas, donc faut pas vous inquiéter, je continue de chasser. Ma chaîne reste dédiée à la chasse, même si en ce moment je fais plus que des ouvertures de cartes. Et c'est juste que maintenant je collectionne aussi les cartes Pokémon, donc voilà. Donc là c'est le magazine officiel Pokémon, donc voilà, le numéro 47 d'après ce qu'ils disent, janvier 2016, voilà. Donc voilà, ça date un peu, bon je vais pas tout vous montrer parce que la vidéo risque de durer quand même pas mal de temps. Voilà, avec le poster central, voilà, avec les trois chiens. Donc c'est parti, donc là on a des impulsions turbo. Je me rappelle même plus, ça fait 6 mois que j'ai pas ouvert, je sais même plus quelle carte j'ai déjà eu dans cette série. Donc je vais faire attention en les ouvrant. Donc les échantillons, je répète, on peut en voir sur eBay, hein. Les gens les vendent d'ailleurs des fois à des prix de fou, quoi, quand on sait que le magazine là nous a coûté presque 4 €. 4 € pour deux échantillons plus le magazine. Donc faites attention, sur eBay on vous met des prix de fou, ça se trouve dans pas mal de magasins et dans des barres tabac je pense, donc voilà. Et donc à l'intérieur vous avez que, je me rappelle même plus, ouais, trois cartes de la série, donc ici ce sera Impulsion Turbo, et donc c'est des cartes communes, donc il n'y a rien d'extraordinaire à posséder ça, hein. Donc voilà, allez c'est parti. Donc vous avez, alors attention, voilà, vous avez le symbole de la série, et donc voilà le rond pour prouver que c'est une carte commune, et ici c'est la 83 sur 162. Donc Hippopotas, ensuite on a Feuillajou et Tarsal, d'accord, ok, bah, très bien. Donc si j'ouvre les boosters échantillons, c'est parce que j'ai pas ouvert beaucoup de boosters classiques, et bon ça complète mes communes, hein. Moi je vois pas l'intérêt de conserver des boosters neufs, voilà. Autant les ouvrir, ça me fait plaisir, ça me fait une vidéo aussi, donc voilà, tout va bien. Donc, voilà, hop, on va faire attention, voilà, je conserve quand même l'image. Hop, donc à l'intérieur on a toujours un petit dépliant, hein, je voulais pas montrer, donc voilà, avec toutes les cartes de la série, et puis bon, vous pouvez cocher celles que vous avez, quoi. Voilà. C'est un bouquin pour montrer l'avancée de votre collection. Donc c'est parti, encore trois cartes. Donc on a Sonistrel, voilà, c'est la même collection. Hein. Pikachu et Magnéti. Ok. Ok, très bien. Voilà, je mets de côté. Donc maintenant on passe aux ruptures turbo. Les échantillons rupture turbo. Donc là ça nous en fera 4. Ça nous en fera 6. Ouais. Alors si c'est énorme, hein. Juste pour des communes, hein, toujours. Donc attendez, je l'ouvre. Hop, alors. Ici, donc on a les trois régies.
Les 4, pardon, avec Régis Gigas, forcément. Voilà, donc le poster central. Voilà, Pikachu et Meowth. Donc, celui-ci, c'est février 2016. Et donc, c'est parti. Donc, je vais vous ouvrir les boosters. Donc, la vidéo risque d'être un peu longue, hein, parce que là, en plus, j'en suis qu'à... Donc, la troisième booster échantillon. Il nous en reste encore pas mal à ouvrir. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, vous voyez, le petit catalogue, pareil. Mais là, c'est Rupture Turbo. Donc, voilà. Hop. Et donc c'est parti, nos trois cartes, donc on a Brocélum, donc toujours commune, hein. Et donc ici, voilà, le symbole de Rupture Turbo, voilà, pardon. Donc, ensuite Psychoquack, et on termine par Mélofée, ok. Donc, voilà, je les mets ici, hop, on ouvre le deuxième. Ah, ah ça va, ah bah je l'ai déchiré, c'est pas grave. Pas grave, de toute façon je vais pas tous les conserver, hein, j'en ai plein. Hop, celui-là ira à la poubelle. Donc toujours le petit, voilà, livré. Donc Psychoquack qu'on a déjà eu, donc c'est les premières doubles, Coquillas et Zébibon. Voilà, je passe un peu vite. Voilà, c'est des cartes communes, il n'y a pas vraiment de suspense. Hein. Juste sur l'illustration qu'on peut avoir. Donc j'ouvre le suivant. Hop. Donc. Ici, on est sur le donc toujours magazine officiel de Pokémon. Donc là, c'est mars 2016. Voilà. Et en image centrale, attendez, faut que je la retrouve. C'est où? Voilà. La famille de Blitzy. Donc Blitzy, Blizzarwa et Mega Blizzarwa. Ok, on est bon. Donc, en espérant pas trouver trop de doubles, ce serait pas trop mal. Donc là, déjà, on a eu Psychoquack en double. Donc c'est parti, hop. Ah, je galère un peu. Voilà, hop, on va l'ouvrir par le bas. Tac. Hop, donc toujours le même guide. Hop, le booster ouvert, je le mets là. J'essaye d'être organisé, parce que... Vu qu'on a pas mal de boosters à ouvrir, voilà. Donc, bon, là, c'est une vidéo un peu spéciale, hein. C'est sur les magazines, les boosters de magazines. Après, j'ai une Pokébox, j'ai pas mal de boosters à vous ouvrir, j'ai une display, j'ai beaucoup de cartes de côté, donc ça, c'est bien. Donc, on a Krixik, donc toujours même symbole, c'est toujours du Rupture Turbo. Hein. Donc, Krixik, Soporifique et Caninos. Bon, bah, très bien. Très bien, là c'est des nouvelles illustrations qu'on n'a pas encore eues. Pas de double. Alors ensuite, autre booster. Hop. J'essaye de cacher un peu l'illustration, c'est vrai qu'elle est du mauvais côté. Voilà. Donc toujours le livret. Et donc on est parti. Donc Psystigri. Quanton et Aquafarel, très bien, toujours des cartes nouvelles qu'on n'a pas encore eues. Donc je me rappelle plus si je les ai déjà eues dans des autres boosters. J'ai un peu de mal à me rappeler de tout ce que j'ai eu dans ma collection, donc bon, m'excuser. Hein. Donc le dernier magazine Pokémon officiel, ouais. Donc là c'est avril 2016, bah tombe bien, on est en avril, c'est pour ça. Et donc, page centrale, c'est où? Non, on n'y est pas. Voilà. Et ben là, c'est les trois oiseaux légendaires. Donc, Articodin, Sulfura et Elector. Ok. Donc, ça, je les mets de côté. Et je vous ouvre le premier booster. Oh, bon, allez, hop. Donc, Mélofée qu'on a déjà eu. Hein, donc, le livret, toujours. Mélofée qu'on a déjà eu, oui. Donc, deuxième double. Tritonde, ok, et Fluvetin, ok. Donc, Mélofée est la seule double qu'on a, dans ce booster-là, du moins. Ok, hop, bon, j'arrache un peu, ah, je déchire un peu le booster n'importe comment, mais c'est pas grave, j'en ai plein. Donc, le livret, et donc, Quanton qu'on a déjà eu, donc troisième double, Monorpal et Chaglam, ok. Donc, ça nous fait trois doubles, c'est ça?
si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc 3 doubles en 12 cartes. 12 cartes. Non, bah non. Non, je dis n'importe quoi. En 18 cartes parce qu'on a eu 6 boosters échantillons de 3 cartes. Donc voilà, bon bah ça peut aller, on va dire. Sachant que c'est que des communes. Donc là on va passer à j'hésite encore. Non, on va passer d'abord. On va d'abord faire les échantillons, donc combo mag. Donc j'avais juste ouvert pour pouvoir voir le magazine vite fait. Et donc dedans on a deux boosters échantillons origine antique. Donc ça commence à être un peu plus ancien. Je me rappelle plus, c'est XY, je sais plus. Ah, il y a rien là-dedans. Ouais, c'est pas les posters Pokémon. Parce qu'en fait, c'est pas un magazine forcément que dédié à Pokémon. Donc voilà, vous voyez, Yu-Gi-Oh, etc. Donc je vais le mettre de côté. Ok, donc bah, c'est parti. Donc origine antique, est-ce que j'en ai déjà ouvert? Alors je vais découvrir un peu la série. Ok, c'est parti. Faudrait quand même que je l'ouvre bien. T'as un deuxième, ouais, j'en ai un deuxième, mais c'est vrai que j'ai pas fait attention. Oh, la galère. Hein. Bon, hop, ouais, nickel. Hop. Voilà, donc, vous voyez, là, c'est ou pas avec sa forme déchaînée, non, libérée, je sais même plus. Déchaînée. Ouais, déchaînée, bon. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, le symbole de origine antique, voilà, vous le voyez ici, dans le coin à droite. Donc, reliquante. Golemastoc, ouais, c'est bien une commune, hein. Je regarde parce que ça me semble un peu bizarre, Golemastoc. Ok, et Persian. Ok, bah très bien. Bah, je suis assez content, donc je les mets de côté. Hein. Je sais pas si je ferai un récapitulatif. On est à 12 minutes de vidéo et il nous reste donc 5 boosters, mais là, c'est pas des échantillons, c'est. Ah, en plus de celui que j'ai là dans la main, il nous reste 5 boosters et donc c'est des boosters complets. Donc encore le livret, et donc c'est parti. Donc là on a une double, alors là c'est pas de chance quand même en 6 cartes. Magikarp et Pyrony, ok très bien. Donc une petite double, bon, un peu dommage. Donc maintenant là on passe à Maniac. Alors là il a l'air que consacré à Pokémon, c'est un peu bizarre non? Non, c'est Pokémon et Yu-Gi-Oh, je crois, mais il y a deux posters, mais ils sont trop grands, okay. Vous pouvez pas les voir. Ouais, bah là, vous pourrez pas voir, donc. Ah oui, ok, il est agrafé, ouais, voilà, vous voyez vite fait. Avec Sepiatros, Corbos, Nemelios, Femelle, Lissandre, pardon, Lissandre. Et ici, c'est Xantin. Xantin, Nemelios mâle et Megaleviator, ok. Hop, on passe vite. Et donc là, un booster complet. Donc ça, c'est bien par contre. Ça, c'est très très bien. Alors, ma collection dans Rupture Turbo, je vous l'ai dit, je me rappelle plus de rien. Ouais, non, j'ai dû en ouvrir quelques-uns. Et encore. Je suis même pas sûr. Donc, alors, on essaye de bien l'ouvrir. Hop. C'est pas trop mal, hein, sérieusement. Hop. Donc l'illustration du booster, donc c'est en Finobi, hein, vous le voyez, break. Ou turbo, ouais on dit turbo, turbo en français. Hop, donc hop, je garde le booster de côté. Alors le code online, c'est pour moi, parce que je joue à JCC. Ok, alors là j'ai plus de batterie, c'est pas grave. Ça va couper, mais bon c'est pas grave. Donc 6 tigris qu'on a eu dans le booster échantillon juste avant. Voilà, hein, de Rupture Turbo. Donc c'est une commune, hein, donc vous voyez, on retourne sur le même symbole. Donc au début, on a les communes. Donc c'est parti. Caninos qu'on a eu aussi. Coquillas, est-ce que c'est ce Coquillas-là? Je me rappelle même plus. C'est quoi? Ouais, bah, c'est pas grave, on verra plus tard. Je sais que j'ai eu un Coquillas, mais je sais pas si c'est de cette série. Donc en commune, hein, bien entendu. Grignot, en commune. Brocélum en commune qu'on a eu, celle-là j'en suis sûr. Alors là on est à la reverse, et c'est une rare reverse. Oui c'est une rare reverse, ça c'est bien par contre. Et je crois que c'est une holo reverse. Je suis pas sûr à 100% mais je crois que c'est une holo reverse. Bon dommage de l'avoir eu en reverse, j'aurais préféré l'avoir en holo, mais bon. C'est pas grave, alors attention, derrière qu'est-ce qu'on a? Eh bah je me suis... Oh purée, je me suis... excellent, excellent, je me suis loupé, mais excellent.
Mental EX. Ah, ça c'est propre. Ah, c'est propre. Attends, il te faut un. Ouais, un protège-carte, mais c'est pas grave, je verrai ça après, je vais faire attention. Dans un magazine qui a coûté 6,50, ça passe. Sérieux, ça passe. Alors, on va faire attention. Hop. Donc, lien spirituel Cisaiox. Donc là, maintenant, on passe aux peu communes. Hein. Dimoclès. Et Cryptero. Voilà. Non, non, mais voilà, c'est bon. Je vais faire très attention. J'ai eu Mental EX. Ah, je suis hyper content. Ah, j'ai eu de la chance. Il n'y avait qu'un seul booster. Vas-y, laisse-la. Donc, non, non, ça va être. Ça sera Agnori qui couvrira. Bon, après, je pense que c'est moi qui parlerai, mais. C'est vrai qu'elle n'a pas l'occasion d'ouvrir des boosters, ça lui manque un peu, donc bah, vu que c'est des boosters espagnols, moi je m'en fiche un peu. Donc ce sera elle qui les ouvrira dans la vidéo. Donc, je crois qu'il n'y a pas de poster là-dessus. Non, il n'y a rien là-dessus. Donc là on passe, donc c'est des magazines Kids Cards. Alors le magazine est français, mais ils mettent des boosters espagnols, donc elle les a vus à 6€, elle s'est dit c'est l'occasion, bah, il y a deux boosters quand même, intérieur noir et blanc, d'une série rare, mais elle a. Elle a pas fait attention que les boosters étaient à espagnol. Ah, c'est pas grave. Donc, hop, je les sors tous. Donc, comme je vous l'avais dit, ça a coupé. Donc, c'est pas grave, on reprend. Donc, comme vous pouvez le voir, je sais même plus où j'en étais dans ma phrase. C'est pas grave si elle a coupé, je disais rien d'intéressant. Donc, là, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti les boosters du magazine, voilà. On a une illustration de chaque, donc Dracarmin, Victini, Boreas, si je dis pas de bêtises, et Trioxyde. Donc bah, c'est parti, tu peux les ouvrir. Je joue dans l'ordre que je veux. Ouais, ouais, dans l'ordre que tu veux, donc d'abord le Trioxyde, ok. Donc je vous remontre, voilà. Un peu flou. Ouais, c'est pas grave, c'est à cause de la lumière que je mets. Il n'y a pas trop de lumière. Ouais. Oui, oui, on voit que le flash. Oups. Ouais, en fait, c'est la grosse galère. Hein. Ah, voilà. Voilà, donc Mental EX que je viens d'avoir donc dans le booster Rupture Turbo, le seul booster que j'avais, donc ça c'est excellent. Donc qui est sous protège-carte, donc je vais la mettre là-bas. Donc c'est parti. Donc là, que j'ai... Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de carte, moi, donc je sais pas comment on les ouvre. Tu t'en fiches, explose-les, on s'en fout, c'est des Espagnols. Mais ils sont durs. Ouais, moi je crois que je vais le faire. Attends, je vais le faire, je vais le faire, je vais y arriver. Je peux y arriver. Je vais pas y arriver. Bon, allez, hop, on va laisser deux secondes. Ok. Ah, je vous jure. Hop, je vais essayer d'en ouvrir un autre. D'un côté, t'as pas trop tort. Ah, tu vois qu'ils sont durs. Mais en même temps, ils sont vieux, c'est pour ça. Ah, celui-là, il est mieux. Non. Ah ouais, non, ils sont tous en... Putain. C'est quoi ces boosters? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Ah, vas-y, bah tiens, ouvre les autres d'abord. Ouais, je vous vois les autres. Donc attends, comment on fait? Donc qui est une rare ou pas à l'intérieur, une ultra rare je veux dire, rien à faire. Hein. Il n'y a pas de code. Ouais, c'est pas grave. C'était peut-être pas à l'origine. En espagnol, j'en ai un peu rien à faire, je les conserverai pas de toute façon dans tous les cas. Donc, Hop. Là c'est vraiment pour rajouter du fun à la vidéo. Voilà. Tu lui dis les noms? Ouais, donc là on a Pyroni, ouais. Attends, mets-les un peu plus haute. Ouais. Attention. Ouais, c'est parce que je fais la lumière en même temps. Plus haute, plus haute. Plus voilà. Plus voilà. Donc, Kung Fuin, ok. Coupe Note. Donc là, c'est que des. Oh, non, c'est pas le même Pyroni, je pense. Non, c'est pas le même. Donc, un autre Pyroni. Donc là, c'est que des communes hein, pour l'instant. Montre le symbole de la série, s'il te plaît. Excuse. Voilà. C'est un V. Ouais. C'est un oiseau. Donc, c'est Noble. Non, attendez. C'est Noble Victoire. Noble Victoire. Ah mince, et les autres. Ah mince. Ah c'est pas tous les mêmes. C'était pas de la même série je crois. Noble Victoire et là c'est Pouvoir Émergent. Ouais c'est ça. Donc ça, on a deux Noble Victoire et deux ça, Pouvoir Émergent. Ça c'est le Trioxyde. Donc c'est ouais. Noble Victoire. Ouais pour l'instant on fait les Noble Victoire. V pour Victoire. Si tu dis plus ah, non, non en je fait passe. Non il y en a qu'un seul qui est de Pouvoir Émergent. Bon ah, c'est ouais. Pas grave. Donc tout à fait. Et donc là on passe à la Reverse. Donc je sais pas si c'est une rare Reverse. Oui si c'est une rare Reverse. Donc je peux pas vous dire si c'est une holo ou non, j'en sais rien. Je pense que c'est possible. Donc Zeblitz, ok, en rare. On s'en fout du signe, on sait que c'est une rare. Limonde en un peu commune. Mince, Golet en peu commune. Et donc un Cisache en peu commune. Voilà. Donc c'était le premier Noble Victoire. Ah ouais, ok, donc ils ont fait un peu de mélange. Bon, c'est pas grave. Ils ont peut-être pas fait exprès. Non, c'est pas grave. Alors, lequel j'ai ouvert? Celui-là. Ouais, donc c'est parti. Donc là, c'est le Dracarmin. Dracarmin.
Donc tant mieux, on n'a pas eu d'ultra rare dedans, donc tant mieux, ça nous laissera peut-être plus de chance pour les prochains boosters français qu'on ouvrira. Moi je le calcule comme ça, c'est des probas. Donc, mais ça fait du bien de rouvrir. Donc Escargom, en commune. Nucleos, on dirait qu'il est shiny. Non, son truc il est jaune, en shiny. Non, non, pas du... Oui, oui, tu parles de... Oui, mais ouais, le contour en bleu comme ça, ça faisait bizarre. Donc là, Triton, ok, en commune. Gringolem. Funessir, alors... Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Donc là, c'est la reverse. Je pense que c'est aussi une rare reverse. Non, c'est une peu commune reverse, je crois. Peu c'est commune. Ça, c'est le losange, ouais. Donc c'est... Ah, j'ai du mal. Scalproie. Ouais, Scalproie. Et ah, une holo. Oh, elle ah, elle est propre. Ah ouais, Cobaltium. Cobaltium en rare reverse. Holo, pardon. Rare holo. Ah, elle est propre. Belle. Aïe, aïe, aïe. Elle est belle. Donc là, on a... Diamat. Oui, Diamat. En peu commune. Shaofuin en peu commune. Ah oui, merde, non, quand même. Et, non, mais oui, en peu commune, voilà. Alors, quand je regarde des youtubeurs, genre par exemple David Lafarge, tout ça, des fois je me dis, oh là là, il reconnaît pas le nom des Pokémon et tout. Ah, c'est abusé et tout, c'est trop facile. Mais c'est vrai qu'en fait, pendant les vidéos, on a un peu de mal. En plus, là, c'est en espagnol, donc ça a du mal à revenir. Pourtant, je joue beaucoup, mais je me rappelle pas. Donc, tiens, ouvre celui-là. C'est... Non, mais c'est bon, regarde. Non, mais celui-là, c'est pouvoir émergent. Donc, oui, d'abord, on ouvre le vite, toi. Pour te dire que je l'avais ouvert, quoi. Bah, nickel. Donc, on termine par Victini en noble victoire, et après, on passera à Boreas en noir et blanc, point émergent. Voilà. Pouvoir émergent. Pouvoir émergent. Voilà. Ok, donc là, on est bon. Elles sont un peu abîmées, on dirait, non? C'est pas grave, de toute façon. Alors, non, Flamajou, voilà. C'est la base. Oui, oui, Pyroni. Ah bah pour Koumfine, là ça fait deux doubles quand même. Coupe note, alors ok, c'est complètement rangé dans le même ordre. Encore Pyroni. Ok. Donc là en reverse, Koumfine qu'on vient d'avoir. Et derrière, oh, encore belle. Une holo. Ah, fait chier quoi, au massacre. En rare holo. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Non, mais ce qui nous intéressait, c'était l'effet holo. La couverture un peu commune. Ah, ça fait chier quand même. On a eu deux holos, quoi. En espagnol, merde. Fermite. Fossile plaque. Ouais. Et c'est tout. Ok. Et donc là, on termine par le pouvoir émergent. Donc, c'est parti. Et on vous remontrera. Je ferai juste une récap des ultra rares qu'on aura trouvés. Hein. Parce que là, on va se mélanger les pinceaux et tout. Et la vidéo est déjà assez longue. Elle est belle. Donc là, montre le symbole de la série. C'est plus la même série, hein, c'est pouvoir émergent. Donc voilà. Voilà. Donc là, on passe donc, pour l'instant les communes. Donc Vivaldin, forme printemps. Poichijon, dans les airs. Elle est belle l'illustration. Fureglon. Ah, j'aime moins, mais ok, pourquoi pas. C'est. Chlorobule. Chlorobule, ouais, bien. Chinchidou. Alors, c'est quoi? C'est une rare reverse? Rare reverse. Ok. Alors, on en a eu pas mal. Hein. Ouais, c'est parce que t'es trop près. C'est pas grave. Non, non, mais c'est bon. De toute façon, t'as montré que c'était une rare. Donc, rare reverse. On a eu pas mal de rare reverse dans cette ouvertures-là. Donc, ok. Donc, Brutapod en rare. Ah, bah, sa sous-évolution, Scobolide en un peu commune. Et... merde. Judocrac? Non, Caracli. Caracli. Et Super Bowl en peu commune. Voilà. Donc, on vient de terminer l'ouverture. Donc là, je vais reprendre ma place. Hop, nickel. Donc, pas mal de boosters ouverts. Hein. C'est un peu le bazar. Mais bon, ça va, ça va. On a géré. Donc, quand même, quelques ultras. Hein, pour combien de boosters? 5. 5 vrais boosters ouverts. Donc... je vais faire un tri en même temps que je parle. Hop. Un tri rapide. Hein. Donc je vous remontrerai pas les rares, peut-être les rares reverse au pire. Ouais. Hop. Là il y a celle-ci. Est-ce que tu l'as? Ouais, ouais, je la veux bien. Ouais. Et tu veux celle-ci? Non. Non. Non, non, t'inquiète. Normal. Voilà, c'est bon. Donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bah, c'est une rare. Ah oui. Et elle est là. Et là, c'était une. C'était une... Ah oui, c'est vrai. Et c'était pas mal, hein. Ok. C'était une bonne ouverture.
Alors, on a ouvert que 5 boosters et on a eu. Alors, attendez. J'essaye de tout reprendre dans l'ordre. Hop. Oh non. Oh non. J'ai fait tomber une carte, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle est là. Bah bravo. Ce n'est rien. Je fais attention à pas l'abîmer quand même. Ok, c'est bon. Ouh. Purée. La grosse galère. Alors, c'est parti. Donc, on va faire la récap rapidement. Donc, Roi Gada, donc ça, c'était de Rupture Turbo. Une rare reverse. Pour moi, c'est, je crois bien que c'est une holo. Hein. Une holo reverse. Donc, voilà. Dans notre seul booster en français. Donc, voilà. Ensuite, dans les boosters en espagnol. De Noble Victoire. On a eu deux... attendez. Oui, c'est ça. Dans les deux boosters, on a eu deux rares reverse. Alors ça, c'est assez fort. En plus, il y a des possibilités qu'elle soit holo, mais je suis pas sûr à 100%, donc je préfère pas dire de bêtises. Ensuite, dans donc Noble Victoire, on a eu une holographique. Trois boosters, pardon. Dans nos trois boosters Noble Victoire, hein, pardon, on a eu trois et un pouvoir émergent. Donc on a eu une holo, donc Cobaltium, et une autre holo au massacre. En trois boosters quand même, hein. 3 boosters en Noble Victoire. Ensuite, dans le pouvoir émergent, on a eu une rare reverse. Voilà, je sais pas si c'est une holo. Et donc derrière, je remontre Mental EX de Rupture Turbo en français. Donc voilà, excellent quand même. Hein. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc en espérant toujours que ce soit un shiny qui sera dans ma future vidéo. Mais... si c'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de cartes à vous ouvrir, donc voilà. Donc en espérant que ça vous a plu, puis à la prochaine pour une future vidéo. Salut !